Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir. Donc j'ai décidé de reprendre Astronir suite à la série découverte sur Star Wars The Old Republic et j'ai décidé surtout de reprendre une histoire, enfin une partie à zéro. Ça arrivera peut-être au cours du développement du jeu aussi d'en devoir en reprendre. Du coup je pars sur ce personnage orange, on va sur une nouvelle planète, tout ça. Et on va essayer de faire une partie qui sera elle un peu plus optimisée. Maintenant qu'on a découvert quelques petites bases, j'espère qu'on va atterrir sur une bonne surface. Ça me semble pas trop mauvais, cela dit. Cela me semble même excellent. Parfait. Eh bien écoutez, tant mieux. J'ai déjà des petites idées sur comment je vais faire marcher ma base, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce problème? Voilà, c'est bon. Crac, ok, oui, c'est parce qu'il va me redire tout ce que je dois faire. C'est pas grave, on y va. Nous, on connaît à peu près comment ça marche, chers amis, maintenant. On va récupérer moult composites. Crac. Il va nous falloir aussi énormément de résine, hein, je vous le rappelle. Alors, le premier composite, pourquoi on l'a pris? Alors, on revient en sprintant, c'est pas grave. Pourquoi on l'a pris? C'est pour nous faire un premier panneau solaire qu'on puisse mettre sur notre... Voilà, notre sac à dos. On va aussi, je pense, avoir besoin d'un réservoir, mais il va nous falloir du titane pour ça, titane que nous n'avons pas pour le moment. On va continuer à récupérer un petit peu de... Alors, on peut voir qu'on a une plateforme là-bas aussi, allez voir rapidement. Crac, crac, crac. Je préfère récupérer un maximum de choses. Crac, vous inquiétez pas. Et donc on va essayer de faire une partie un petit peu plus optimisée, donc je pense qu'on a tout récupéré, vu qu'il n'y a plus rien qui apparaisse. Ok. Ok, c'est pas grave. On va récolter un petit peu plus d'énergie. On rebouchera le trou correctement une prochaine fois. On va quand même faire quelques petits tours, on va vérifier, voilà ici nous avons quoi ? Du composite supplémentaire, c'est parfait. Il faudrait principalement de la résine aussi, chers amis, vous vous en doutez. Hop. Ok, on va commencer par aller là. On sauvegarde un gros coup. Crac, voilà. Donc, on a quelque chose là-bas qui s'est crashé. Aux alentours, qu'est-ce qu'on a? On a des choses là-bas. On a des espèces de grosses boules là-bas. Ok. C'est pas trop mal comme point de départ. Hein. Honnêtement... Donc ça c'est le trou que j'ai fait, hein, on est d'accord. Hop, rebouché en partie. C'est pas le bon bouton ça, Marcus. Ok, c'est pas grave. On peut rejoindre le premier truc. Ok. Réflexionnons. Là-bas, j'ai de l'oxygène à récupérer et j'ai de l'énergie à récupérer sur place. Je vais aller récupérer tout ça et vous voyez qu'il y a aussi des trucs là-bas à aller récupérer. Il y a une source de quelque chose. Hop, donc là, j'ai une source d'énergie. Je la récupère. Voilà. Parfait. Ici, j'ai de la résine que je vais récupérer tout de suite, chers amis. Là, pareil pour l'oxygène, je le récupère. Ensuite, là-bas nous avons quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ce serait bien de la résine. C'en est. Parfait, nous avons donc une ressource de... Enfin, un minerai, un gisement de résine juste à côté de nous, ce qui est extrêmement pratique. Je vais virer l'oxygène actuellement. Voilà, et on y va. On retourne maintenant avec un petit peu de résine à la base. On va commencer l'agencement de la base, si je puis dire. Et donc, pour ce faire, hop, j'ai besoin d'un de résine ici. Voilà. Ici,
Je vais y mettre... Réfléchissons, chers amis, réfléchissons. Il faut que ce soit efficace. Pour que ça soit efficace, je vais avoir besoin de plein de choses différentes. Vous avez vu là-bas comme ça? D'accord, oui, ça doit être la surface de truc. Ok, c'est pas grave. Là, je peux mettre de l'énergie. Si j'ai mis de l'énergie ici, je peux avancer encore un petit peu. J'ai pas assez de résine. C'est pas grave. Donc là, il y aura... Enfin, je suis en train d'essayer de réfléchir, chers amis, à ce que je peux faire, véritablement. Et comment je peux le créer véritablement, en fait. C'est vraiment ça, la question. J'irai bien jusque là-bas. Je sais pas si j'ai la... Enfin, la capacité de le faire. Et honnêtement, je ne pense pas. Ça, c'est con, ça. Hop. On va essayer de rentrer avec ça à la base. Hop, parfait, on est bon. Oxygène à 50%, on est déjà sur le retour, donc on devrait être rentré quand nous serons à zéro. Je vais essayer de ne pas récupérer toute la résine qu'il y a au sol, tout ça. Par principe. Essayer de si je puis dire, pas de financer, mais presque, tout ça via les différents... C'est de la résine qu'il y avait. Peut-être la prendre, ça augmentera la vitesse de propagation de la... C'est de la résine, je vais la prendre. Voilà, là je suis full. Ok. Ok. Là j'ai rien, là j'ai de l'énergie. Là je peux en rajouter un. Et là je peux en rajouter un. Sur lequel je vais pouvoir mettre deux. Voilà, pour agrandir. Parfait. Ici, je peux mettre la recherche. Crac. Ok. Ça, c'est bon, chers amis. On est plutôt bon. Je vais donc pouvoir commencer déjà à placer la recherche directement dessus. Ok. On peut voir à peu près les quantités de résine qu'il va me falloir pour faire une base qui soit viable. Comme vous le voyez sans doute, ça va être plus compliqué que prévu. Il va me falloir une source d'énergie. Pour avoir une source d'énergie, il va me falloir... Balise, girouette, solaire. Pour l'instant, c'est pas grave, on va mettre une petite. Hein. Mais... C'est censé fonctionner, ça, normalement, maintenant, là. Voilà. Ok, c'est pas grave, ça m'en fera toujours un de plus au cas où. On va continuer, on va aller rechercher là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Composite supplémentaire, ça peut être intéressant. Pas pour l'instant. Ce qu'il me faudrait avant toute chose serait du titane pour faire une première... Hop, 50% bientôt. Une première... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Une première... mince, j'arrive plus. Réserve d'oxygène. Ce serait sans doute ce qu'il y a de plus pratique à faire. Faites des trous. Suffocation. Non, c'est bon. T'inquiète, on a eu peur, mais tout va bien. Recherchez.
Ce sera... Condensateur de carburant. Est-ce qu'il y a un ordre précis avant que ça apparaisse? Je ne sais pas. J'aurais aimé que ce soit autre chose. Hop. Merde. Je me coince bêtement. Ça ne s'est pas rempli pour le moment. Semble-t-il. Ok. L'objectif étant de réaliser une base correcte, chers amis. T'es sérieux, j'ai déjà plus d'énergie? Ok, il est temps de rentrer. Au moins, on a pu récupérer un tout petit peu de résine, ce qui peut être pratique. Maintenant, on va partir dans une direction complètement opposée. Et on va refaire de même. Là, il y aura le niveau d'énergie. Là, une fois de plus, il n'y aura rien. Et là, je n'ai plus suffisamment de résine. J'essaie de faire une base qui sera complètement indépendante en termes d'énergie et qui pourra me recharger extrêmement rapidement. C'est du composite. Bon, il a fallu de la résine. Je pourrais aller voir ce que c'est que ces espèces d'arbres à boules. Rapidement. L'aluminium ? T'es sérieux, là ? C'est quoi, ces trucs ? Putain, c'est des... C'est pas des ballons sondes, mais presque, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des... Oh, génial ! Par contre, on m'envoie des tonnes de textos. Hop. Je vais faire une ellipse, parce que là, on voit des tonnes de textos, je pense quelque chose qui va pas. Hop, je reviens, chers amis. Je rentre là-dedans, crac, à tout de suite. Re, chers amis, alors, on y retourne. C'est pas là, c'est là, c'est la bonne, voilà. Ok, ok, donc voilà. Le temps est passé, chers amis, hein, j'étais au téléphone pratiquement une bonne heure. On va aller voir au passage du coup si ça a repoussé. Ah bah vous voyez là ça a repoussé par exemple. Mais pas suffisamment pour que je puisse d'accord. Mais ça repousse de manière progressive effectivement. Ok, là ici aussi on peut voir que ça a repoussé dessus. Ok. Je capte. J'ai oublié de lancer. Mince, j'ai oublié de lancer. C'est quoi ce truc là-bas? Ah, j'en sens encore des textos, c'est chiant. On n'est jamais tranquille dans ce pays. Hop. Hop, je vais lancer la recherche, qu'on puisse savoir ce qu'on va avoir en deuxième, chers amis. Je pense qu'on va se diriger aussi vers une autre... Oh là, j'ai pas corrigé tout ça encore. Ok, c'est bon. Corrigé. Nous avons obtenu je ne sais pas quoi. Quel dommage. Ok, je vais regarder ici si on a obtenu quelque chose. Solaire, batterie, rallonge, réservoir, générateur, balise, girouette. On a rien obtenu de plus, finalement. Ok. J'ai toujours pas de résine supplémentaire. On va essayer de finir cet épisode assez rapidement quand même. J'ai cru voir une bouboule dans le coin, mais je ne sais plus où. La bouboule, la bouboule. Là-bas. Ok. On va essayer de ramener cette bouboule, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous savez, on va l'ouvrir et on va ramener ce qu'il y a dedans. En espérant tomber sur quelque chose d'intéressant pour nous. Oh, le biome change derrière. Aluminium. Composite. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'hydrazine. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, l'hydrazine. Ça, c'est quoi? C'est clairement quelque chose, non? On a une crotte ici aussi. Effectivement, là, ça commence à m'inquiéter au niveau de l'oxygène. Heureusement, j'en ai vu ici. Crac, allons-y.
Reprenons le reste. Tout ce qui reste. Hop. Parfait. Ok, on est bon. Ça, c'est quoi? Aha! Parfait. Exactement ce que je voulais. Au passage, j'ai pas... Ah non, j'ai pas ramené le truc parce qu'il y avait rien dedans. Il y avait que des choses dedans. Ok. Oxygène 50%. Je vais essayer de revenir le plus vite possible. Ok, je sais pas du tout où on était dans l'épisode par contre, cela dit. D'accord, il y a des choses qui tombent encore. C'est pas grave. Composite, oxygène, 25%. L'objectif étant de faire une base, entre guillemets, chers amis, qui soit organisée. Hein. L'organisation, l'organisation, l'organisation. Clairement, c'est ce qui va m'intéresser le plus dans cette partie. Ce sera vraiment de réussir à faire quelque chose d'organisé et de fonctionnel sur le long terme. Et donc là, on devrait pouvoir tomber quelque chose dedans. Ah ! Camion, ok. C'est pas vraiment ce que j'avais ce que j'avais envie de recevoir. Je vais être tout à fait honnête avec vous, ça me déçoit un peu. Du composite, ok. Alors, rien. Énergie, rien. Truc bidule. Ok. Et là, j'aimerais avoir quelque chose. Ok. Ça me change, ça pourrait être intéressant. Imprimante, ça pourrait être intéressant aussi, mais je n'ai pas de cuivre. Il va falloir donc du cuivre assez rapidement. Ça, qu'est-ce que c'est? Composite, donc non. Ici, ce n'est rien qui m'intéresse véritablement. Là-bas, on a pu voir qu'il y avait une station. J'ai toujours rien, j'ai que de l'aluminium sur moi, c'est ça, dans le dos. Hein. Je préfère m'assurer de ça avant de partir. Qu'est-ce que j'ai dans mon backpack? Aluminium, aluminium. Lithium pour la batterie, rallonge, d'accord. Réservoir, il me faudrait du titane. Titane que je n'ai pas à l'heure actuelle. J'ai pas envie d'entamer la résine qui soit ici. J'ai cru voir, j'étais dans mon vaisseau, j'ai cru voir un truc rouge. Qui m'a fait penser à quelque chose que je pouvais récolter. Là-bas. Mais non, apparemment non, je me trompe. Je me trompe, je me trompe, je me trompe. C'est une plante lambda. Qui va cependant me donner accès à une recherche en plus. Pourquoi pas. Hop. Quelque chose d'intéressant peut-être. Allons-y. Crac, ça rechargera demain matin. Elle est posée? Non, elle est pas posée. Hop, parfait. Ok, on recharge un petit peu en matière d'énergie aussi. Et je vais me faire des rallonges. C'est pas grave. Je vais aller jusqu'au point là-bas et aller voir vite fait ce qu'on y trouvera. Je pense que ça va être nécessaire. Hop, c'est pas cette touche-là. C'est cette touche-là, Marcus. Crac, non. Ah, raté. Faut que ça me revienne, hein. Hop. Crac. Qui m'a permis de faire des recherches un peu plus poussées par là. Hop. Et hop, ok. On est sur place. Ok, on a donc trouvé ceci. Merde, j'arrive pas à récupérer. Ah, c'est chiant. Voilà. Ok, ici. Pas d'énergie présente pour le moment. Normal, pas de soleil. Là, on a de la résine supplémentaire, ce qui pourrait être intéressant, mais à l'heure actuelle, c'est pas véritablement ce qu'on cherche. Je vais aller chercher l'oxygène là-dedans, du lithium.
Encore une fois, c'est pas véritablement ce qui m'intéresse. Du composite. Du cuivre. Un de cuivre, chers amis. Bon. C'est un bon départ. On a pu récupérer un de cuivre assez rapidement. C'est une bonne chose. Il va vraiment falloir qu'on réussisse à terminer cette... cette imprimante le plus rapidement possible, je pense. Hein. Clairement, ça va être une nécessité. Hop, on pose ça ici. Alors. J'ai trouvé, pardon, j'ai dit du lithium. Hein. Donc c'est pas véritablement ce... C'est quoi ces grands arbres là-bas? Ok, on va aller par là. C'est pas grave. Composite supplémentaire. Ça, c'est de la machine hydrazine. Voilà, tout à fait. Là, il n'y a pas d'oxygène du tout dans le coin. Et je ne veux pas suffoquer. Donc, je rentre en courant. Je pense que je vais quand même suffoquer, malheureusement. Dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Il va vraiment falloir qu'on commence à bouger nos fesses, chers amis. J'ai encore de quoi faire des rallonges. J'en profite. J'ai posé tout l'aluminium que j'ai par là. Non, tu te poses, s'il te plaît. Merci. Le cuivre, pareil. Pour l'instant, on va le poser comme ça, hein, chers amis. On va pas s'embêter. Hop, parfait. On va reprendre, je vais juste regarder où est-ce qu'on en est dans l'épisode, chers amis. Vite fait, hop, parce que j'avais tourné un début tout à l'heure, mais je ne sais pas combien de temps il a duré. 12 minutes, donc à peu près 12 minutes aussi ici. Ok, pourquoi pas. Tout tourne bien, c'est parfait. Excusez-moi, hop, on y retourne. Rallonge. Hop. Ok. C'est pas trop mal. Et voici la dernière. On va pouvoir aller explorer un peu plus par là. Tout en ayant un maximum d'oxygène, ce qui peut être pratique. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à choper? Oh la vache, c'est joli dans le coin. Encore une de ces tours gigantesques. Et malheureusement, toujours aucun cuivre. Composite supplémentaire. Aucun cuivre véritablement en vue. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? L'énergie. C'est pas du tout ce que je recherche. Je vois le caillou là-bas. On peut essayer de le rejoindre. On va passer dans l'autre direction, en direction de la montagne. On va aller voir vite fait, mais... Mais j'ai de gros doutes, hein. On se recharge en oxygène. Parfait. Pour l'instant, l'hydrazine n'est pas nécessaire, hein, je le rappelle. En tout cas, pas pour notre survie, pour l'instant. Ça, ce n'est clairement pas cuivre. Et je n'en vois toujours pas. Ok, donc je gagne rien à le détruire.
Ok. Bon, oxygène 25%, on va retourner sur le... Tiens, il y en a un petit peu ici. Hop, parfait. Ok, donc on trouve pas du tout de cuivre, malgré notre capacité légendaire à avoir énormément de chance, si je puis dire. Je ne vois pas le fil bleu. Oula. Oulala. Là là. J'ai perdu le fil. Ah, c'est là. C'est le truc vert. J'ai stressé. Ok, on est bon. C'est pas là, on a toujours rien trouvé. Ce qui m'embête assez. Je vais quand même aller voir là-bas, histoire qu'on puisse balancer nos deux... On pourra pas le faire cette nuit, cela dit. Quoique. Quoique. Voilà, ce que j'essaie de faire. Pile, donc c'est pas les piles qui m'intéressaient le plus. Hop, vas-y. Ici, nous aurons droit à... au filtre. Malheureusement, ce n'est pas non plus ce qui m'intéresse. C'est pas gravissime, cela dit. C'est pas gravissime. Ok. Dans cette direction, qu'est-ce qu'on a ? Ici, c'est du composite. Je vais le récupérer. Hop. Il faut que je puisse me faire plus de... de rallonge. Ok. Ok, et on va aller continuer à avancer, mais cette fois-ci dans cette direction. Nous verrons bien ce qu'on nous allons y trouver. Et bah alors. Ah. Ok, parfait. Ok. Ok. Ok, de la résine. Pourquoi pas. Continue dans la direction actuelle. Ok. On s'approche de ça. Aluminium et organique. Malheureusement, on n'a pas de chance. Nous n'avons pas de chance. J'aurais espéré tomber sur un deuxième cuivre. Et apparemment, nous n'avons pas cette occasion. Ok, on y va. Ok. Rien d'intéressant. À part peut-être un trou ici, c'est ça ? J'aurais aimé y voir du cuivre. J'aurais tellement aimé y voir du cuivre. Hop, allons-y. Qu'est-ce qu'on a là ? Une autre cave. Oui, c'est vrai. Ça ne marche pas. Hop. Rebranchons-nous. Et je n'ai plus de rallonge. On va continuer à rallonger, hein, alors. Hein. C'est pas grave.
J'ai besoin de ce cuivre, chers amis, vous le savez. Pour l'instant, il n'y a rien de visible qui puisse en être. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'apparaître d'un seul coup. Alors, on va refaire un petit peu tout ça. Voilà, et donc normalement ici je peux remonter sans problème, parfait. Drôle de son. Oh, il y a quelque chose là-bas. Ça, j'ai pas confiance. En fait, j'ai pas confiance en beaucoup de bruit qu'il y a à l'heure actuelle dans le jeu, là. Ok. Alors. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la latérite. Minerai d'aluminium. Quel dommage. Ah, de l'alu. Ça m'intéresse pas. Puis là, il y a des trucs qui sont chiants là-bas, des trucs à poison. Et là-bas, il y en a un peu plus. Donc, je suis pas dans la bonne direction, à mon avis. Mon humble avis. Je veux bien aller creuser un petit peu plus. Oh putain, il y a une coupure quelque part? Exact. Ok, c'est bon. Problème résolu. Si on veut. Ça, c'est quoi? Parfait, exactement ce dont j'avais besoin. Ok. L'organique, j'en ai pas véritablement besoin, cela dit. Ok. Je sais, c'est juste pour me rassurer qu'ici il y a bien quelque chose en fait. Ok, on descend de plus en plus profond. Oh putain. Bon. Ça me plaît plus par là. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Roule pas trop loin. Voilà, là je peux les remettre. Ok, on remonte. C'est pas grave, là je le sens pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ok, on y va. Elle est belle ma combi orange aussi. Je suis content. Même si j'ai toujours pas du coup... Allez, on va par là. Non, elle n'est pas active ici. Non, ça n'en est pas. Et là-dedans. Je veux y croire. Ai-je vraiment si peu de chance? Sale bête. Voilà. Allez. Allez, un petit peu de bol. S'il vous plaît. Eh merde. Strictement rien du tout. Ok. Bon, c'est pas grave, ce sera un petit peu de gâchis de Tethers.
Mais bon. Là-bas. Ok. Encore de la latérite. Non, je suis bien linké, non? Ah non, je suis pas linké. C'est bien là qu'était le problème en fait. Ok. Et ça reste de l'aluminium, hein, la latérite. Hein. Donc c'est clairement pas ce qui m'intéresse pour le moment. Bon, on ne trouve pas de... On ne trouve pas... tu peux bien... Merci. Malheureusement, de... Je vais emporter celui-ci. Et si possible, celui-là. De cuivre. Si j'emmène celui-ci, le blanc, c'est parce que je crois que j'en ai déjà un. Et par conséquent, avec un peu de chance, je peux tomber du cuivre. Hop. On n'est pas excessivement loin. Je peux me permettre de ramener les deux à la main. Ok. Hop, allons-y. Crac. Alors. Hop. Et on est bon. Plus ou moins. On est presque arrivé à la base, j'ai plus qu'à aller là-bas. Hop, merci. Et crac. Donc, il nous faudrait du cuivre, chers amis. Ok. Boum. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Verdict. Bon, j'ai les yeux qui piquent. La grue, dommage. Je vais mettre ça ici pour le moment. En termes d'énergie, normalement pas trop loin, j'ai un... Voilà, j'ai un... truc que je peux aller rechercher. Qui se rechargera avec le temps. Donc ça va être pratique. Donne à papa. Ah, pas suffisamment, quel dommage. Ok, c'est pas grave. Vas-y, recharge. Fais le plein. Fais le plein. Qu'on sache ce qu'il y a dans le deuxième et qu'on voit si on peut construire l'imprimante grâce à ce truc. Ah, il est déjà... La vache. Allez, recharge. Voilà, c'est bien. Hop. Et verdict. Cuivre. Putain, on a du bol. On va aller construire cette imprimante. C'est bon, chers amis, vous inquiétez pas. En est tout bon. Juste l'autre cuivre, je l'ai mis là. Non, non, c'est pas ça que je veux. Merci. Et c'est parti, nous avons accès à l'imprimante, chers amis. Ce qui va grandement nous aider en termes d'énergie. Cool. Bon, bah là, on en a pas d'énergie, vous me direz dedans, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ok, bah écoutez chers amis, du coup on va se regarder dans le pod et on se retrouvera dans le prochain épisode de Astronir, chers amis, pour cette nouvelle aventure qui commence, qui va être une aventure un peu plus organisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yoop. Et du coup j'ai trouvé un autre jeu aussi pour remplacer Starbound, salut.